Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous présenter une application que j'apprécie beaucoup en ce moment. Cette application s'appelle OneFootball et c'est le top puisqu'elle regroupe vraiment beaucoup de fonctionnalités. Comme vous voyez actuellement, elle est disponible sur iOS et Android et elle prend vraiment pas beaucoup de place. J'ai téléchargé en moins d'une seconde. Une fois que vous aurez téléchargé cette application, vous pourrez la lancer et là vous tomberez sur le menu. Donc en arrivant sur l'application, ils vont vous dire de paramétrer une équipe favorite. Moi par exemple, j'ai pris Manchester United et dès que j'arrive sur le menu, il y a toutes les informations et tous les transferts sur cette équipe là. Donc vous aurez les résultats de votre équipe sur les derniers mois ainsi que toutes les rumeurs qui traînent au niveau des transferts, des départs, etc. Je vous laisse un lien dans la description qui sera disponible. Même si vous ne souhaitez pas télécharger l'application, cliquez quand même pour aller voir l'application en détail sur la page Play Store ou iOS. Moi peut-être que j'ai mal expliqué et que vous trouverez quand même votre bonheur sur l'application. C'est en rapport avec le foot et je vous présente pas des applications que je n'aime pas et que je valide pas. L'application est sur mon tel et j'utilise tous les jours. Je vous laisse sur ça et je vous souhaite un excellent visionnage. Ouais les Jenkins, donc c'est Crypto, aujourd'hui on se trouve en compagnie donc de Vagus juste ici. Ouais c'est Jenks. Donc aujourd'hui on se trouve pour une vidéo assez particulière parce que ça va être une vidéo unboxing d'une boîte de foot qui m'a été envoyée par OneFootball. Le lien de OneFootball sera bien évidemment en description si vous voulez acheter cette box. Elle est au prix d'environ 60€ ils m'ont dit. Je sais pas quand c'est que je vais chercher la vidéo mais en tout cas à l'heure actuelle, à l'heure où je tourne cette vidéo, elle est pas encore donc sur leur site en ligne ni sur aucun marché. Donc en gros vous pouvez pas encore la trouver. C'est en avant-première, en gros c'est un prototype que j'ai reçu. Et du coup donc c'est une box spécialement Coupe du Monde. Du coup on va l'ouvrir aujourd'hui avec Vagus. On a pris un petit cutter, vas-y fort les gars. C'est un petit cutter bon de cassasse parce qu'il tient même pas en place. Mais bon comme on dit c'est pas grave. Du coup donc là il y a écrit quoi sur la box? La box dès que je l'ai reçu les gars, c'est une box d'ailleurs je l'ai reçu directement comme ça, il n'y a pas eu de carton tout autour. C'est directement un carton spécialisé pour OneFootball. Au passage n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus et un maximum de commentaires comme d'habitude. Puisque dans les mois à venir il y a pas mal de box qui vont m'être envoyées. Donc chaque mois il y aura une nouvelle box qui va être envoyée. C'est un petit peu les gars comme Moodbox. Et donc OneFootball il n'y a pas de soucis les gars, c'est connu mondialement, c'est 100% fiable. Du coup je sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur de cette box. Autant il y aura des crampons, autant il y aura des maillots de foot, autant il y aura des ballons. On sait pas du tout le contenu de la box. En tout cas elle coûte 60€ les gars sur leur site. Tu penses sur un maillot? Ouais avec un ballon quoi non. Je pense pas parce que 60€ quand même, un maillot vrai, tu vois, un bon maillot ça coûte 90€, 80€. Ça m'étonnerait qu'ils mettent des box à 60€ pour qu'après il y ait des maillots à 80€, tu vois, ils sont pas gagnants. Ouais. Du coup les gars, donc sur la face avant il y a écrit Whittle the... Attends, faut qu'ils voient quand même. T'as touché oh là. Du coup les gars, donc sur la face avant il y a écrit oui. Ma, comme par hasard un avion qui passe. Ma, tu on dirait pas un avion radio commandé. Voilà. Voilà. Ma, regarde comment il tourne. Je vais GTA. Vas-y. Du coup les gars, donc sur la face avant il y a écrit We Tell the World Football Stories. J'arrive pas trop bien à lire les gars, je suis un petit peu fatigué. We Tell the World Football Stories, en gros ça veut dire quoi Vagus, toi qui connais bien anglais? Je sais pas où là. Ça veut dire nous disons. Nous disons l'histoire du monde du football, un truc comme ça les gars. Dites-moi en commentaire ce que ça veut dire, en tout cas moi je suis pas trop fort. C'est envoyé par OneFootball les gars, voilà, c'est écrit OneFootball. Il y a leur petit logo qui fait plaisir ici. Et du coup donc OneFootball de base c'est une application qui est sur téléphone que j'avais présenté dans plusieurs vidéos et c'est pour ça qu'ils ont décidé de m'envoyer cette box aujourd'hui. C'est une des premières fois que je fais une vidéo unboxing sur ma chaîne et du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien ce genre de vidéo. Je pense que les gars vous en avez marre, vous vous dites c'est quand qu'il va ouvrir cette boîte de cassos. Du coup laisse-moi ouvrir. Vas-y, et genre je te passe les objets. Espérons qu'il y a de la chance, la tête. Non viens au pire on tire les objets un par un tu vois. Mais non mais au pire genre moi je les passe. Mais on en tire à chacun. Vas-y comme tu veux. Vas-y. Eh merde. On va pas guetter. Les gars donc là Vagus est en train de l'ouvrir mais les gars on va pas guetter le contenu. Vagus essaye de pas guetter comme ça si on tire un tour chacun tu vois. Allez. Voilà donc là pour le moment on voit pas beaucoup hein. Juste viens de créer avec une petite étoile. Ça a l'air d'être du sale. Du coup on a ouvert la boîte et là moi franchement je vois rien puisqu'il y a un carton en gros qui est dessus. Du coup vas-y je l'enlève. Moi déjà attends il y a une petite enveloppe là qui est au dessus les gars. Donc il y a une petite enveloppe. Du coup les gars donc la première truc qu'il y a sur la boîte c'est tout simplement une petite enveloppe. Donc il y a écrit quoi? J'arrive pas à lire parce que c'est inversé, il y a écrit Whittle the Football. Ouais il y a écrit la truc, en gros nous racontons le monde du football, l'histoire du football. Déjà OneFootball il me régale. Et l'équipe ils m'ont écrit une lettre spécialement avec la genre la main. C'est pas une lettre imprimée de cassos, tout ça c'est les gars c'est une lettre. Elle est écrite avec un stylo. Ah, donc OneFootball tu me régales frère. Ah il a écrit bien en plus. En plus il écrit calé. Voilà. Oh, on est des cassos, on n'a jamais vu quelqu'un écrire. Attends. Voilà. Du coup les gars donc on va vous montrer tout ce qui est écrit sur la boîte. Sur la boîte. On va vous montrer tout ce qui est écrit sur l'enveloppe. Donc tu veux le lire ou je le lis comme tu veux? Bonjour Yanis, bienvenue dans la famille OneFootball. Et ouais gros, je fais partie de la MIF. On fait tous partie de la MIF maintenant. La Coupe du Monde 2018 approche à grands pas. Donc là aujourd'hui on est le 4. Elle arrive donc le 15 juin. Nous espérons. Il écrit quoi? que c'est l'île, non que c'est.
Nous espérons que ce kit collector vous fera plaisir et qu'il vous accompagnera pendant cet événement foot incontournable. Merci pour votre compréhension, cordialement l'équipe Point Football. Ça vient de Berlin les gars, donc Berlin les gars c'est en Allemagne. Pas Berlin dans la Casa de Papel. Pas Berlin dans la Casa de Papel. Du coup donc les gars c'est un kit collector qu'ils m'ont dit. Donc ils m'ont dit que c'est un kit collector en gros. C'est un prototype comme je vous l'ai dit, ils l'ont pas encore mis sur leur site. Vas-y, tire. C'est quoi wesh? Oh, écharpe. Ils savent t'as vu que j'habite en France. Oh, et c'est pour ça qu'ils m'ont envoyé une truc de la France. Bon en été c'est pas trop. Du coup les gars donc premièrement ils m'ont envoyé une petite écharpe de l'équipe de France. Donc voilà FFF les gars. C'est une écharpe de l'équipe de France les gars. Et franchement on va l'ouvrir. Pété dans l'œil voilà. No fake. Donc les gars voilà elle s'affiche comme ça écrit France. Vas-y Vagus Tesla. Okay. Peut-être vas-y gros Tesla. Qu'est-ce que tu as? Ouais. Bon normalement c'est, ça c'est dès que vous allez au stade genre si ouais, vous voir un match ou quoi. Si vous allez voir un match ou quoi, en tout cas c'est la box du mois. Pour tous ceux qui vont commander en France, je pense que ça va être ça. Vas-y, mets-la ouais. Pour voir comment elle est. Ah mais c'est pas pour la mettre en fait. Bah oui c'est. Ah je vais te comprendre, moi j'ai cru genre c'était pour la mettre à l'école et tout en fait. Non. En fait c'est genre tu fais comme ça, tu fais ouais. Du coup vas-y, je vais choisir un truc au hasard. C'est parti. En fait y'a pas beaucoup de trucs je crois. Vas-y je prends ça après. C'est un shirt One Football. Du coup donc les gars ils m'ont envoyé un petit shirt One Football. Donc ça se voit les gars je fais partie de la famille. Bon ils m'ont envoyé du M mais normalement je fais du S. Mais ils m'ont envoyé du M les gars donc je pense que c'est une taille unique. Et voilà donc c'est un petit shirt One Football classique. Rien de plus classique les gars. Du coup c'est à toi frère, vas-y tire au hasard. Vas-y go les gars, on accélère, il y a un bus scolaire frère. C'est quoi donc, Malaga, gars, je vais mettre mes clés. Porte-clés. Les gars c'est un petit porte-clés donc One Football. Comme vous pouvez voir ici c'est écrit One Football voilà. Donc c'est pour attacher vos clés, je pense que vous connaissez tous. Sauf qu'il est vraiment stylé parce que le vert c'est vraiment une couleur que j'apprécie particulièrement. Et du coup donc là le dernier truc qu'on a vu depuis tout à l'heure les gars ouais, ça, on a vu. C'est de la frappe. Voilà. Ah, c'est un ballon Adidas. Ah, je l'ai vu, j'ai serré. Ah il doit coûter 25 euros. Mais c'est le ballon spécial genre de la Coupe du Monde 2018, qui est Russie à 2018. Donc les gars c'est le ballon de la Coupe du Monde 2018. Donc pour 60 euros si vous achetez cette box, vous allez avoir ce ballon, c'est sûr et certain, ils me l'ont dit. Du coup Adidas, voilà. Adidas. Oh les gars c'est un ballon à 25 euros. Top glider, voilà. Top glider les gars. Et Russie 2018. Donc franchement les gars c'est un ballon de la Russie. Donc 2018 pour la Coupe du Monde 2018 de la Russie. Et du coup donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mais il était petit. On arrive à la fin de cette vidéo et voilà. A plus les gars. A plus.